Bonjour, bon, je m'appelle Mavambou Yakini, je suis ingénieur agronome, spécialiste en nutrition. Bon, vous savez qu'il y a eu beaucoup de présidents africains, notamment du Congo, Brazzaville, de la République démocratique du Congo, du Gabon, le président de transition, de la Guinée équatoriale et du Cameroun. En fait, ces pays constituent le bassin du Congo. Alors, le bassin du Congo, c'est quoi? Le bassin du Congo, c'est la forêt qui constitue le bassin du Congo. Et cette forêt-là, qu'on appelle la forêt tropicale, est très, très importante. Alors, beaucoup de gens m'ont posé des questions pour savoir pourquoi on dit que le bassin du Congo constitue le poumon de la planète. Alors, comme je vous ai dit, le bassin du Congo s'étend à environ 3 millions de kilomètres carrés. Donc, c'est beaucoup, ça prend plusieurs pays, vous voyez. Alors, dans le bassin du Congo, c'est une richesse biologique très importante. Il y a de la biodiversité, c'est-à-dire d'autres animaux, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les forêts, les arbres. Vous avez vu sur l'introduction, il y avait la forêt qu'on a voulu montrer. C'est important, la forêt. Alors, la forêt, c'est quoi? La forêt, ça contient des arbres, donc ça renferme les arbres. Et ces arbres-là constituent le poumon de la planète. Comment? Alors, tout simplement, vous savez que le poumon, c'est la respiration. C'est-à-dire, quand vous prenez de l'oxygène, vous rejetez du CO2, vous respirez. Alors, les plantes font pareil. Alors, les plantes font pareil par le phénomène qu'on appelle la photosynthèse. Regardez ce qui se passe. Ça, c'est la réaction de la photosynthèse. C'est-à-dire, ça se produit au niveau des plantes, des arbres de la forêt du bassin du Congo. Et il y a le CO2 qui est capté. Vous avez vu la flèche noire qui montre la captation. Donc, les plantes captent le gaz carbonique qu'on appelle dioxyde de carbone en un autre. Et c'est un gaz qu'on appelle le gaz à effet de serre. Je vais vous expliquer ça plus tard. Aujourd'hui, je ne parle que des poumons de la planète. Donc, les plantes vont fixer ça. Mais dans les plantes, il y a de l'eau à l'intérieur des plantes. C'est pourquoi, d'ailleurs, quand on fait l'agriculture, on arrose, parce que les plantes contiennent beaucoup d'eau. Ensuite, il y a les sels minéraux, que j'ai représenté par des gros sels de mer. En fait, la combinaison de dioxyde de carbone et de l'eau, cela donne ce qu'on appelle le glucose. Alors, le glucose, bon, c'est une molécule primaire. Quand plusieurs glucoses se mettent ensemble, ça forme l'amidon, par exemple, ce qu'on appelle le polymère de glucose. Et ça peut aussi former ce qu'on appelle un autre polymère qu'on appelle la lignine, qui est très important pour former du bois. C'est pourquoi vous voyez que dans la forêt, on récolte du bois. Mais en plus, il n'y a pas seulement le glucose, mais il y a aussi l'oxygène qui est dégagé, que j'ai mis en rouge la flèche. Pour dire que l'oxygène, c'est là il y a le poumon, c'est là qu'on parle de poumon, parce que ces arbres-là nous fournissent l'oxygène dans l'atmosphère. Et c'est très très important, c'est pourquoi il ne faut pas abattre les arbres. Vous voyez par exemple dans nos pays, tellement il y a l'exploitation du bois en permanence, particulièrement en République démocratique du Congo, il y a des hectares qui sont vendus par... qui sont vendus aux Chinois, qui sont vendus aux sociétés canadiennes, qui exploitent du bois. Et quand ils font l'exploitation à outrance du bois, ils font ce qu'on appelle le déboisement. Et c'est ça qui pose aussi un problème au niveau du climat, parce que ça réchauffe le climat. C'est un problème que je vais raconter plus tard. Mais ce n'est pas conseillé. Il faut que l'État, les autorités congolaises doivent interdire l'exploitation à outrance du bois. Ils doivent reboiser. Alors, donc, je vous ai dit, ce phénomène-là est très important. Cela nous restitue l'oxygène. Mais il n'y a pas que la forêt, Il y a aussi les océans. Les océans aussi sont des sources de l'oxygène dans la planète. Voilà ce que je voulais vous montrer, l'importance des arbres dans l'atmosphère, dans la planète. Et ça joue le rôle de production d'oxygène que nous avons besoin et que nous rejetons le dioxyde de carbone et nous prenons l'oxygène. Et quand nous prenons l'oxygène, la source peut être le bassin du Congo
ou les bassins de l'Amazonie. Voilà ce que j'ai voulu vous dire aujourd'hui. Je vous parlerai plus tard du réchauffement climatique. Merci beaucoup de m'avoir écouté et suivi. Au revoir.